essai de Tyler Hardron. 60e minute de jeu, le Castres Olympique qui prend l'avantage 24-10. Cyril Masson est commentateur sportif à la radio depuis plus de 10 ans. À son domicile, celui qui commente les matchs du Castres Olympique pour Sud Radio prépare la rencontre à quelques heures du coup d'envoi. C'est moins une préparation vraiment travaillée, vraiment précise, à passer des heures et des heures à regarder. C'est plus du ressenti, c'est réussir à sentir la vérité, quelque part, l'enjeu un petit peu caché du match. Passionné de sport avant tout, son désir de commenter est né en vibrant au rythme des rencontres télévisées et radiophoniques. Certains commentateurs l'ont d'ailleurs particulièrement marqué. Parfois, il reste aussi le souvenir du commentateur, le souvenir d'une voix, le souvenir d'un cri, d'un mot. On en a tous des comme ça. Voilà, donc avec des Thierry Gilardi, des Thierry Roland. Des, voilà, on a tous des souvenirs comme ça d'une voix, d'un moment, d'un truc qui nous a fait vibrer. C'est Castres qui mène 14-10. Transformation à suivre. On joue la 36e minute de jeu. Très très belle essai Castres. Hein. Marqué par des grands noms du commentaire sportif, Cyril essaie à son tour de transmettre sa passion à travers son micro-casque. Moi, ce que j'aime, c'est entendre un type qui vit vraiment son truc, mais qui le vit vraiment, parce que si tu le surjoues, si tu le joues, finalement, ça peut s'entendre aussi. Et donc, je m'autorise à vivre le truc, et puis quand je suis dégoûté, je suis dégoûté. À fond pendant les 80 minutes d'une rencontre, Cyril Masson est souvent épuisé lorsqu'il rend l'antenne. Une fatigue qui a une explication bien précise. Tu parles beaucoup pendant une heure et demie, tu parles, voilà. Après, moi je suis souvent vidé quand je commente le Castres Olympique parce que je me prends vraiment toute l'attention du match. C'est-à-dire moi je commente, mais en plus je suis supporter. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir le ballon, les Castrés? Oui, c'est sorti, c'est terminé. Ici, au stade Pierre Fabre, victoire du Castres Olympique, 26-24. Ils sont contents les Castrés, ils se jettent dans les bras les uns des autres parce que je crois qu'ils ont eu très très peur, ils se sont fait très peur les Castrés.